C'était incroyable, j'ai quitté mon corps, j'ai vu sous moi la Terre devenir de plus en plus petite, puis je suis rentré à une vitesse inouïe dans un tunnel sombre, mais aux parois transparentes à travers lesquelles je voyais l'univers et l'espace. J'étais dans la position du fœtus et j'ai atterri, si j'ose dire, sur une planète où vivait Michel. Des paysages magnifiques et argentés, puis j'ai été happé à toute vitesse vers et dans cette boule de feu. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu, pas de mots. Je peux dire aujourd'hui que j'ai vu Dieu. Au risque de passer pour une folle, j'affirme que j'ai vu Dieu, une immense boule de feu d'un blanc très pur et qui ne brûlait pas. Et chacune des cellules divines, qui étaient autant de soleils, des milliards de soleils, étaient autant d'univers. Comment expliquer? Tout vibrait, scintillait, vivait. Tout était information. Tout était amour et lumière chaude et douce dans laquelle je flottais. Et moi-même, bien qu'indépendant de cette lumière, j'étais constitué d'elle et je baignais en elle. Auparavant, j'ai rencontré Michel dans un magnifique paysage de vallées et de montagnes verdoyantes.